Bonjour mon ami, hello, welcome back si tu es un ancien ou une ancienne de cette chaîne. Bienvenue si tu es nouveau, nouvelle. Je suis Lucia Léon-Félix, coach en stratégie financière et business. Ici je parle développement personnel, stratégie financière, business, entrepreneuriat. Donc si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à la chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite, comme ça tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu, comme celle que je m'apprête à partager avec toi pour booster tes finances, upgrader ta vie et surtout te permettre d'atteindre ce niveau de sérénité, de bien-être et de sécurité auquel tu aspires. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un lien, clique dessus, il s'agit d'un tout petit questionnaire super rapide à remplir. Une fois que tu l'as rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique gratuit, oui, gratuit avec toi, pour mettre en place tes premières pistes, tes premiers objectifs, pour booster ta vie, maîtriser tes finances et t'aider à vivre de manière très concrète la vie de tes rêves. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi les pauvres veulent paraître riches. Quand je dis les pauvres, ce n'est pas péjoratif, ce n'est absolument pas par moquerie. En fait, c'est juste pour définir une catégorie sociale, tout comme je dis la classe moyenne, ou je dis les riches, les très riches, les millionnaires. Enfin, bref, ce sont des termes, des arguments que l'on utilise pour savoir de quoi l'on parle, en fait. J'ai remarqué que les pauvres aiment impressionner. Ils veulent paraître riches. Ils ne le sont pas, mais ils veulent paraître riches. Souvent, quand tu vois des gens rouler dans de grosses berlines, des voitures de luxe à 100 000 euros, quand tu vois quelqu'un qui est habillé de la tête aux pieds avec des vêtements de marque, quand tu vois quelqu'un qui se pavane chaque année avec le dernier iPhone, bien souvent, la plupart du temps, cette personne n'est pas riche et est bien loin d'être riche. Souvent, cette personne peut être classifiée en tant que revenu. Ses revenus sont du côté de la pauvreté ou de la basse classe moyenne. Pourquoi je dis ça? C'est parce que en France, il y a 1 million de personnes qui sont interdits bancaires. 1 million, c'est juste astronomique comme chiffre. Ça veut dire qu'il y a 1 million de personnes qui sont bloquées en fait, qui n'ont plus du tout accès au crédit, qui n'ont plus aucune possibilité d'investir. La société, c'est elle qui est responsable de ça et qui véhicule de faux messages qui aboutissent au fait que les gens se retrouvent en interdiction bancaire. Pourquoi ? L'argent, en réalité, c'est un moyen. Un moyen important que tout le monde peut avoir, que tout le monde doit avoir, que tu peux augmenter par stratégie. Mais en fait, que fait la société? Elle montre aux gens que l'argent n'est pas un moyen, mais que c'est une finalité et qu'on peut l'obtenir de manière très facile, easy. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de bosser. L'argent, tu peux l'avoir comme ça. On te montre de belles personnes à la télé, tu vois, des corps sveltes, des gens heureux, les cheveux lâchés au vent, de beaux vêtements, de belles voitures, des gens qui réussissent. Quant aux réseaux sociaux, n'en parlons pas. C'est là où tu vois tout le glamour, tout le lifestyle, le bling bling, enfin des choses, tu vois, qui attirent l'œil, qui captent l'attention des gens. Mais en fait, ce sont des attrape-nigauds, ce sont des tromperies. Oui, l'argent te permet d'accéder à ces choses-là, si tu veux. Si tu veux rouler en Porsche, oui, l'argent te permet, après des années de stratégie, de travail, d'action, l'argent te permet donc d'accéder à ces choses-là, si c'est ton kiff, mais ce n'est absolument pas une finalité absolue et ce n'est absolument pas une facilité. Facilité dans le sens où tu vas devoir faire des choses, tu vas devoir bosser. Tu vas devoir mettre en place une stratégie. Les pauvres, ce sont des gens qui se laissent tromper, en fait, qui ont décidé de ne pas être eux-mêmes et de s'identifier au modèle que leur présente la société. Mais comme je te disais tout à l'heure, c'est un modèle qui est trompeur. Donc le conseil que je te donne à toi qui suis cette chaîne avec attention,
c'est de rester toi-même. De rester toi-même, d'être authentique, de mettre en place tes propres valeurs, ta propre stratégie pour gagner de l'argent sans te référer à ce que te livre la société comme modèle ou les réseaux sociaux comme modèle à suivre. L'argent ne supporte pas les faussetés, les tromperies, l'hypocrisie. Tôt ou tard, je parle même pas de malhonnêteté parce que là, la dernière case du Monopoly, c'est la case prison. Mais je parle qu'à partir du moment où tu n'es pas authentique, tu n'es pas fidèle à qui tu es, à tes valeurs en tant que personne, tôt ou tard, ça va te rattraper. Il faut savoir que des vies, des familles, des couples notamment, sont détruits à cause de l'argent. Il y a un couple sur deux qui divorce. Mais le problème numéro un, c'est quoi? C'est l'argent. Beaucoup de gens restent dans la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'ils se comparent aux autres. Je t'invite à te pencher sur cette question et à y répondre. Pourquoi veux-tu gagner plus d'argent? Est-ce que c'est pour plus voyager? Est-ce que c'est pour envoyer tes enfants dans les meilleures écoles? Est-ce que c'est pour construire un orphelinat? Est-ce que c'est pour plus participer aux actions caritatives de par le monde? Hier, j'interviewais une experte en marketing. Alors, je ne sais pas si tu as déjà vu la vidéo ou si elle était déjà sortie au moment où l'on parle, mais c'est une vidéo super intéressante, super inspirante. Je te la mets là en haut, comme ça tu pourras la regarder si elle est déjà sortie. Dans l'interview, elle nous partage que l'argent qu'elle veut avoir, c'est vraiment pour créer une association, une fondation pour pouvoir aider les femmes dans leurs problématiques. Et elle travaille aussi beaucoup à aider une association qui œuvre contre la sclérose en plaques. Donc tu vois, ça c'est des finalités concrètes, des finalités que l'argent te permet d'atteindre, des objectifs que l'argent te permet d'atteindre. Et c'est de forts leviers, c'est des moteurs parce que ça te drive, ça te booste. Moi, pour ma part, depuis longtemps, très longtemps, depuis des années, un de mes rêves, c'est de construire une école, mais une école très particulière en Haïti. Une école pour former des leaders, des gens qui sauront œuvrer en Haïti. Moi, je ne suis pas d'origine haïtienne, je n'ai pas de membres de ma famille en Haïti. Mais l'histoire de ce pays m'a beaucoup touchée et m'a frappée parce que ce sont des gens qui sont très forts mentalement, qui ont réussi à vaincre l'armée de Napoléon, à se libérer du joug de l'esclavage, mais par la force en fait. L'abolition de l'esclavage a été proclamée par décret. En Haïti, l'abolition de l'esclavage s'est gagnée par le combat, par la force en fait, des Haïtiens contre Napoléon. La source, la nature même de ce pays, c'est une nature qui est forte. Les Haïtiens, ce sont des gens qui sont forts, mais en même temps, leur pays, c'est le chaos, mais à tous les niveaux. Et c'est, moi, ça m'a toujours frappé en fait. Je veux dire, le décalage qu'il y a entre l'histoire de ce pays et son actualité. En plus, les Haïtiens, donc de la diaspora, ceux qui partent aux États-Unis, au Canada, enfin, il y a des Haïtiens partout, il y en a aux Antilles. Ce sont des gens qui viennent chercher un avenir meilleur, c'est sûr. Mais ceux qui réussissent, et beaucoup réussissent, il y en a dans le showbiz, le père de Will Smith, c'est un Haïtien. Il y en a beaucoup au Canada, il y a des Haïtiens qui sont juges, enfin, bref. Ils ne retournent pas en Haïti, ils ne réinvestissent pas en Haïti, je ne vois pas, je dis pas qu'ils le font pas, mais personnellement, moi qui ai un avis, un œil neutre, n'ayant pas d'attache familiale en Haïti, je ne vois pas comment les gens qui sont à l'extérieur et qui ont réussi, je ne vois pas leur travail et je vois pas les fruits qu'ils apportent qui font en sorte que Haïti a tendance à se relever, c'est ça que je veux dire. Moi, j'ai toujours eu à cœur de vouloir bâtir une école, mais une école tout frais payée où les élèves pourraient venir étudier gratuitement, où tout le monde, tout le personnel enseignant serait rémunéré par ma fondation qui gérerait cette école. La construction de l'école, l'entretien de l'école, les fournitures, les uniformes, etc. Une école pour bâtir
les élites du pays, en fait. Il y a un gros défaut d'éducation qui fait que ce pays-là n'arrive pas à se relever. Donc je te dirais, vis ta vie, ne vis pas par procuration. Ne vis pas à travers ce que les autres peuvent te montrer, qui est souvent fake. Établis tes objectifs et surtout demande-toi si ce sont les bons objectifs, si tu veux vraiment vivre les objectifs que tu listes. Tu connais la citation qui dit que les gens ont tendance à acheter des choses pour impressionner les autres qui ne les connaissent même pas. C'est tellement vrai ça. Les gens veulent paraître. La pauvreté, c'est un statut qui n'est pas héréditaire, qui n'est pas génétique. C'est un statut dont tout le monde peut s'en sortir. Mais il y a également la pauvreté mentale. La pauvreté mentale te fait faire des conneries, des choses, mais qui ne sont pas pensables. Pourquoi tu veux forcément miser sur le bling-bling pour que les gens te voient, pour que les gens te... Mais des gens qui ne te connaissent pas, en fait. Donc, je veux dire, même s'ils disent « waouh », si toutefois ils disent « waouh », ben, le « waouh », c'est du vent. Enfin, il faudrait remettre les bonnes choses aux bonnes places. Les gens vivent, je te disais, leur vie par procuration. Ils veulent vivre la vie de quelqu'un d'autre, en fait. Ils veulent ressembler à Beyoncé, avoir un couple comme elle, avoir la même chevelure qu'elle. Ils veulent ressembler à Rihanna, avoir leur propre gamme de cosmétiques, être famous, riche, célèbre, reconnu. Mais attends, mais la vie de Rihanna, c'est la vie de Rihanna. Celle de Beyoncé, c'est celle de Beyoncé. En plus, tu connais même pas les challenges que ces gens-là vivent. Parce que tu crois qu'ils n'ont pas de challenge. Tu crois qu'ils sont forcément heureux comme tu les vois sur Instagram ou quand ils font le show sur scène? Moi, je pense pas. Bref, arrête d'être une photocopie. Sois ton original, ton propre original. Les pâles photocopies, il y en a trop de par le monde. Donc toi, tu es un original. Et un original en couleur. Ce que les pauvres recherchent, c'est à se faire valider par les autres, par leur apparence, par leur bling bling, par les choses qu'ils ont, par le matériel. Mais en réalité, on ne se fait jamais valider par les autres avec des biens matériels. Jamais, jamais. Les gens qui vont te valider par rapport à tes biens matériels, c'est des gens intéressés, c'est des sangsues, c'est des sortes de poisons qui vont arriver dans ta vie. Mais tu n'as pas besoin de cette catégorie de personnes. Si toutefois tu as besoin de validation, et à mon sens, tu n'as pas besoin de validation de qui que ce soit. Si toutefois on pourrait supposer qu'on a besoin de validation, c'est pour la personne que l'on est en réalité, pas pour ce qu'on montre. Donc le mot-clé que je mets en avant régulièrement, c'est authenticité. Sois vrai, sois toi-même, montre qui tu es. Voilà mon ami, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui pour t'expliquer pourquoi les pauvres veulent paraître riches et du coup ils restent pauvres. Dis-moi en commentaire ce que tu penses, quelles sont tes remarques. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Pense à liker cette vidéo, à la partager massivement tout autour de toi dans tes groupes WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, enfin partout, Google, par mail, Messenger, partout. C'est comme ça que l'information se diffuse à un maximum de personnes et que notre belle communauté grandit. Et d'ailleurs, tu dois faire partie de cette communauté, donc abonne-toi si ce n'est déjà fait. C'est Lisa Lyon-Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.